Bonjour, je suis Aurélien et vous êtes sur le nouvel épisode du Shooter sur Pico 8 qui devrait aussi être le dernier puisque dans tout ce que j'ai prévu, on devrait avoir fait le tour avec ce shooter dans cet épisode et ensuite on pourra passer au jeu d'aventure. Même si bien sûr, s'il y a une forte demande pour que j'ajoute quelque chose, je pourrais peut-être le faire en vidéo. Faisons un petit tour du propriétaire de ce qu'on a pour l'instant. Pour l'instant, on peut tirer, très bien, et on a juste un bête ennemi qui apparaît au milieu de l'écran. Alors vous pourriez lui donner un X aléatoire quand il apparaît très facilement, mais ça reste un seul ennemi quoi. Donc nous ce qu'on voudrait, c'est que quand on fait apparaître l'ennemi, on puisse mettre par exemple 3, et il fait apparaître 3 ennemis. Donc il faudra améliorer la fonction spawn enemies pour accepter ça. Je viens de voir d'ailleurs que ici on avait laissé le spawn enemies qu'on avait mis juste pour tester. Si vous l'avez toujours, vous pouvez l'enlever, il n'y a plus besoin. Maintenant, actuellement, ça change rien que j'ai mis le 3. Donc on doit vraiment dire à notre fonction d'accepter ce nouvel argument et d'en faire quelque chose. Spawn enemies, c'était ici. Et donc l'argument, on peut l'appeler amount, pour montant d'ennemis. Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler x par exemple, peu importe. Maintenant, eh bien, si on veut faire apparaître l'ennemi, c'est-à-dire jouer ça autant de fois qu'il y a de amount, il suffit de faire une boucle for qui va de i égale 1 jusqu'à amount. Ici, qu'on soit bien d'accord, si amount est égal à 1, eh bien la boucle va se jouer juste une fois, ça va de 1 à 1. Et si c'est égal à 3, ça va se jouer 3 fois. Donc maintenant, j'ai juste à mettre tout ça dans la boucle for, comme ceci, avec le bon décalage, la bonne indentation. Et là, ils vont être tous superposés à x égale 60, donc on va juste mettre une valeur aléatoire pour qu'on voit bien nos 3 ennemis. Là, voilà, si je recharge le jeu... c'est bien, ils apparaissent de façon aléatoire. Vous avez vu qu'ils peuvent se superposer. Et nous, on va essayer de faire une vague d'ennemis un petit peu plus stylée que ça, un peu plus robuste. Ce qu'on va faire, c'est que chaque ennemi puisse apparaître à équidistance les uns des autres. Vous voyez ça dans beaucoup de shooters, ça fait des vagues très propres. Et vous pourrez vous servir de cette base ensuite pour faire votre propre système de vagues si vous voulez pimper un petit peu le tout. Alors, pour que les ennemis soient chacun à la même distance, ça veut dire qu'il doit y avoir le même écart entre eux. Donc on va essayer de trouver un calcul qui nous permet de calculer quel est cet écart entre les ennemis. Parce que l'écart va changer en fonction du nombre d'ennemis qu'on va mettre. Donc comme vous voyez dans cet exemple, j'ai déterminé un petit calcul à force d'essayer. En fait le principe c'est que déjà il faut commencer par connaître le nombre d'écarts. Le nombre d'écarts, c'est le n plus 1 que vous voyez à la fin, là. Quand je dis n, c'est le nombre d'ennemis, bien sûr. Pourquoi? Parce que il y a toujours un écart de plus qu'il n'y a d'ennemis. Si vous avez un seul ennemi qui pop au milieu de l'écran, ben, il va y avoir un écart à gauche et un écart à droite. Et si vous avez deux ennemis, il va y avoir trois écarts. Et ainsi de suite. Donc, déjà, le nombre d'écarts, c'est n plus 1. Ça, on est d'accord. Ensuite, quelle est la largeur disponible pour tous les écarts? Eh bien, c'est la largeur de l'écran, parce que notre vague va prendre tout l'écran, si possible. Donc la largeur de l'écran, moins la largeur des ennemis. Parce que les ennemis prennent de la place. Ils prennent 8 pixels, c'est la ligne rouge dans mon petit exemple. Et donc, finalement, la largeur réservée aux écarts, c'est 128 moins 8 fois n. Voilà, donc c'est un petit peu délicat à expliquer à l'oral. Hein. N'hésitez pas à regarder vraiment sur la petite démo comment c'est fait, on comprend peut-être mieux par soi-même, mais j'ai fait de mon mieux. En tout cas, je vais mettre ce calcul dans notre fonction. Donc au début de spawn enemies, on va dire que c'est une variable qui va s'appeler gap, écart en anglais, et ben ça va faire 128 moins amount fois... non, pardon, moins 8 fois amount, enfin c'est pareil en fait. Voilà, divisé par amount plus 1. Voilà, on est d'accord. Maintenant, ici, en x, ben on va simplement essayer de faire gap fois i. Qu'est-ce que ça veut dire? Le i, ça représente l'ennemi qu'on est en train de faire apparaître. Ça va de 1 à 3 pour le moment, dans notre exemple. Donc le premier ennemi, il va laisser un écart devant lui avant d'apparaître. Le deuxième ennemi, il va laisser un deuxième écart. Le troisième ennemi, il va laisser 3 écarts, voilà. Donc maintenant, si on les fait apparaître, ça marche, vous voyez. Mais ils sont un petit peu tassés sur la gauche. Si vous ne voyez pas très bien, je peux mettre par exemple 7 ennemis.
Et là, vous voyez très bien qu'ils sont tassés sur la gauche. Pourquoi ? Parce que, en fait, là, leur écart à chacun est très petit, en théorie, et c'est normal, lorsqu'ils sont 7. Mais il faudrait qu'ils prennent en compte la largeur de chaque ennemi derrière eux. C'est-à-dire que le premier ennemi semble respecter un écart assez grand qui est derrière lui. Par contre, le deuxième ennemi, il devrait, en fait, avoir un écart ici, comme ça, de la taille du vaisseau à peu près. Mais comme il prend pas en compte l'espace pris par le premier vaisseau, eh bien, ça marche pas. Il se tasse un peu sur la gauche. Ce qu'il faut faire, c'est que le premier ennemi est bien positionné, mais le deuxième ennemi doit prendre 8 pixels de plus pour prendre en compte l'espace pris par le premier ennemi, et ainsi de suite. Donc en gros, il faudrait faire un truc genre 8, la largeur de l'ennemi, fois i-1. Grâce à i-1, le premier ennemi, son x, ce sera juste gap. Le deuxième ennemi, ce sera gap plus 8. Le troisième, ce sera gap plus 16. Et vous allez voir que ça va marcher, comme sur des roulettes. Voilà. Bon, encore une fois, c'est un petit peu difficile peut-être à suivre à l'oral, surtout si les maths, c'est pas votre fort. D'ailleurs, si les maths, c'est pas votre fort et que vous avez un petit peu oublié ce qu'on a vu à l'école, n'oubliez pas qu'il y a une priorité aux opérations. Hein. Le multiplier se joue avant le plus et le moins, le diviser pareil. Voilà. Mais au moins, on a réussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça ? Eh ben, au lieu de nous-mêmes donner un chiffre à Spawn Enemies, on pourrait faire que c'est un chiffre aléatoire. Problème, si je fais juste RND7, la fonction RND va me renvoyer un nombre décimal entre 0 et 7. Pour être plus précis, le nombre ne pourra jamais être 7. C'est plutôt entre 0 et 6,99, vous voyez ? Voilà. Donc, nous, on veut un nombre entier. On ne peut pas avoir un nombre décimal d'ennemis. Pour arrondir, il existe deux fonctions. Il existe FLR. FLR, ça veut dire floor. C'est plancher, en fait, en français. C'est le sol. Donc, en d'autres termes, il arrondit vers le bas. Si notre nombre, c'était 1,5, eh ben, FLR va le transformer en 1. Et on a la fonction inverse. Sail, c'est pour sailing, donc ça veut dire plafond. Il va arrondir vers le haut. Si le nombre, c'est 1,5, il va l'arrondir à 2. Il n'y a pas d'arrondissement au plus proche, si vous voulez. Vous devez choisir entre la fonction qui arrondit vers le bas ou la fonction qui arrondit vers le haut. Dans mon cas, FLR ne m'intéresse pas. Parce que si RND me donne, par exemple, 0,1, eh ben, FLR va arrondir à 0, et donc il n'y aura aucun ennemi. Alors que si je fais sail, si le résultat c'est 0,1, il va m'arrondir à 1. Donc il y aura toujours au moins un ennemi avec sail. Le nombre d'ennemis maximum, ouais, écoute, on va mettre 7, ce sera un petit peu difficile, mais ce sera rigolo. Donc essayons ça. Là, on a deux ennemis. Là, on en a toujours 2. Et là, on en a pas mal. On en a 6. Ok, donc ça fonctionne. À vous de doser après. Vous pouvez par exemple, si vous voulez par exemple entre 3 et 5, vous pouvez faire 3 pour avoir une base, plus un nombre aléatoire, ou non, plutôt 2, et un nombre aléatoire entre 1 et 3, donc comme ceci. Voilà. Maintenant, on va faire un petit système de score, parce qu'on commence à s'approcher de la fin du jeu là. On a un petit jeu basique qui marche, mais il nous faut un système de scoring, et du coup un moyen de recommencer la partie quand on a perdu, ça affiche notre score, ça affiche game over et tout ça. En fait, gérer le score en soi, ça va être très simple. C'est l'afficher qui va vous apprendre une chose différente. Le score au début, ce sera 0, donc on peut initialiser le score dans init, et ensuite on va le monter à chaque fois qu'on tue un ennemi. Il me semble que c'était là. Voilà, dans collision, on fait perdre de la vie à l'ennemi, et là, ah oui, là on le tue. Donc au moment où on le tue, on peut faire plus égal 100. N'hésitez pas à mettre des zéros. Hein. Si vous voyez des zéros dans tous les jeux d'arcade, c'est parce que c'est plus gratifiant quand il y a un gros chiffre. Donc, ensuite, comment afficher ce score ? Eh bien, il y a une fonction qui s'appelle print. On va faire ça à la fin de draw, hein, pour afficher ça par-dessus tout. Voilà. Ça s'appelle print. Et là, vous mettez un texte,
Les textes, ce sont des chaînes de caractères, ou strings en programmation, et donc ça se met entre guillemets. Et ensuite, vous mettez la position X et Y du texte, et vous mettez sa couleur. Donc, mettons que je veux écrire le texte score dans un coin, je fais ça. Si je veux le mettre dans le coin, mais pas trop quand même, je peux mettre par exemple à 2 en X et 2 en Y. Et la couleur, si je veux mettre du blanc, je peux mettre 7. Ok ? Alors ça, c'est juste un commentaire. Maintenant, j'ai score qui s'affiche. Ok, donc maintenant on sait comment mettre une chaîne de caractères, mais on peut aussi mettre une variable. Je peux mettre la variable score. Comme il n'y a pas de guillemets, Picoid comprend que ça c'est quelque chose qu'il doit interpréter, c'est de la programmation. Donc là il va pas se dire que c'est un texte, il va se dire que c'est le contenu de la variable que je dois afficher. Et là, j'ai mon score. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Quand vous affichez un texte, vous pouvez aussi revenir à la ligne. Par exemple, si j'écris score anti-slash n, là je retourne à la ligne et je fais blabla. Voilà, j'ai un retour à la ligne. Maintenant, du coup, ce qu'on peut faire, c'est faire score 2 points, retour à la ligne, et ensuite on voudrait mettre la variable score juste après. Donc on doit additionner en quelque sorte le texte et la variable. Pour mettre ces deux choses à la suite, on utilise la concaténation, c'est le terme en programmation. En gros, vous mettez 2 points comme ça, et vous mettez score, et tout simplement, ça va mettre les deux trucs à la suite. Donc maintenant, on a score égale 0, hop, et voilà, tranquillou. Alors bien sûr, vous auriez très bien pu faire ça en deux commandes print, au lieu de vous embêter avec cet anti-slash n. Mettons que je fasse print score, et là ce qui est bien, c'est que je peux mettre une autre couleur. Je peux mettre du jaune, mettons 10. Voilà, et là c'est cool. Donc voilà, je vous laisse jouer avec tout ça. Moi je vais juste mettre le score, je vais faire un truc un petit peu minimaliste, comme ceci, voilà. Et maintenant, eh bien il nous faudrait une condition défaite pour afficher un game over où on affiche notre score final. Pour l'instant il n'y a pas beaucoup de danger dans ce jeu, mais la seule condition de défaite qu'on pourrait mettre, ce serait quand on se fait toucher, on perd, tout simplement. Tout ce qui concerne le joueur pour l'instant, le vaisseau, on l'a mis ici dans Update, parce que c'était au début et on n'avait pas encore appris à tout séparer dans des fonctions. Mais là, ça va commencer à être un petit peu sale. Donc tout ça, on va le mettre dans un Update Player. Update Player. On va créer un nouvel onglet. Et Function Update Player. Voilà, maintenant on est tranquillou et on va nous mettre, on va checker la collision entre les ennemis et le vaisseau. Donc for e in all enemies, on check tous les ennemis, if collision entre e, l'ennemi actuellement vérifié, et p, le joueur, zen, et ben là qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour le game over? Pour l'instant, on n'a pas d'écran de game over. Donc on peut déjà commencer par... Pardon. Par faire un truc tout simple, c'est appeler init. Puisqu'en fait, init, ça remet toutes nos variables à zéro. Vous savez, ça remet le score à zéro, la position et tout ça. Ça vide les tableaux, puisque ça dit ce tableau est vide. Donc en fait, c'est comme si on redémarrait le jeu. Regardez. Oh, je me suis trompé. J'ai oublié un do apparemment. Hop, voilà. Donc là, j'ai mon score, super. Et là, je me fais toucher. Et le jeu redémarre. Bon, ok. Maintenant, il nous faudrait une scène différente, en quelque sorte. Il faudrait une scène où c'est juste un menu, où on affiche le game over, et un bouton permet de passer à la scène de jeu. Mais, comment créer différentes scènes? Ça, c'est la question. En fait, on va devoir gérer différents états. Mettons que nous avons, à la base, il y aurait une variable state qui est égale à 0. Et quand elle est égale à 0, ça veut dire qu'on est dans la scène de jeu, avec le vaisseau qui tire et tout ça. Et quand cette variable passerait à 1, ça voudrait dire qu'on est dans la scène de game over. Et en suivant ce principe, vous pourriez avoir plein d'états. Par exemple, vous pourriez faire un état quand ça vaut 2, et c'est un écran titre en fait. Donc,
On va commencer directement dans le jeu avec un état à 0. Et ensuite, en fait, tout ce qui est là-dedans, dans Update 60 actuellement, c'est juste notre scène de jeu. Donc, on va renommer ça en Update Game. Pareil, notre draw là, c'est juste le draw du jeu. On va renommer ça en Draw Game. Ok ? Et en fait, maintenant, notre fonction d'update, regardez un petit peu ça. If state égale 0, update game. Donc c'est-à-dire que maintenant, ça devrait marcher. Attendez, je vais d'abord faire l'équivalent pour draw. If state égale 0, draw game. Maintenant, tout fonctionne. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir ajouter autant de nouveaux états qu'on veut, autant de nouvelles scènes. Donc, if state égale 1, on va créer un genre de update game over. Voilà. Et pareil pour draw. If state égale 1, draw game over. Maintenant, essayons de créer ces petites fonctions dans un nouvel onglet. Pour l'instant, on va les laisser vides, hein, mais c'est pour avoir la base. Voilà. Et comment passer d'un état à l'autre ? Bah, c'est tout simple. Lorsqu'on meurt, on dit juste que l'état est égal à 1. Alors là, si vous testez le jeu, ça va marcher, mais peut-être pas de la façon à laquelle vous vous attendez. C'est-à-dire que lorsqu'on perd, le jeu se fige. En fait, c'est bon signe, ça veut dire qu'on est bien dans Game Over, puisque dans Update et Draw Game Over, bah, il ne se passe rien. Donc c'est normal que dans le jeu, il ne se passe rien. Maintenant, on va pouvoir dessiner notre Game Over. Mettons que dans le Draw, on va commencer par clear le screen, mais on pourrait mettre une couleur de fond. Par exemple, le violet foncé. Voilà. Et on afficherait le score. Donc on pourrait écrire score. Non, je vais l'afficher sur deux lignes peut-être pour avoir une couleur différente. On va essayer de le mettre vers le milieu. Donc 50-50 avec la couleur blanche. Et ce que j'avais fait tout à l'heure, c'était pas mal avec le score en jaune. 58 peut-être. Avec la couleur 10. Et maintenant, tac! Bon, là, j'ai un score de 0. Mais attendez, on va essayer quelque chose d'un petit peu plus convenable tout de même. Voilà. Là, j'ai un score de 200. On est pas mal. Et ensuite, on peut ajouter un nouveau texte. Du genre... qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Press rond to continue. En rond, en fait... c'est peut-être carré, d'ailleurs, je ne sais même pas. Non, c'est bien un rond, puisqu'on fait ça avec la touche O. Press C to continue, c'est peut-être plus compréhensible pour les gens. Et là, on va le mettre un peu plus bas, mettons à 70 en Y, et en X, peut-être plus à gauche. Voilà. Un autre truc qu'on pourrait faire, je vais vous montrer ça, ça pourrait être rigolo, on peut faire des rectangles. Soit vous faites rect, et ça dessine juste le contour du rectangle, soit vous faites rect fill, fill c'est remplissage, et ça va vous dessiner le rectangle rempli avec la couleur. Donc, mettons, je veux une couleur rose. Essayons, ça risque de pas être très lisible. Hein. Donc en gros, il faut faire X, Y, le X du coin en bas à droite, et le Y du coin en bas à droite, et la couleur. Donc c'est très simple. Si on fait par exemple rect fill... 15, 40, et ensuite il descend jusqu'à... je vais vraiment faire ça viteuf, hein. C'est pour vous montrer après tout. On va peaufiner tout ça plus tard. Et le rose, c'était quoi déjà? C'était 14. Voilà. Ok. Maintenant, quand je meurs, tac, j'ai un petit cadre. Donc, on n'est pas trop mal. En connaissant tout ça, faites votre petit écran à vous, et moi je vous retrouve quand j'aurai fait le mien. Voilà,
Alors j'ai fait mon petit écran, c'est un petit truc tout simple, mais vous voyez, j'ai fait une petite fenêtre avec une ombre derrière. Je trouve l'idée assez sympathique. Alors j'ai fait ça comme ça, hein, si vous voulez regarder. En gros, j'ai fait un carré noir derrière et un carré de couleur devant. N'oubliez pas aussi, dans Update Game Over, de faire un petit bouton qui redémarre le jeu. Alors dans mon cas, j'ai juste relancé init, mais si vous aviez plusieurs scènes, un écran titre et tout ça, vous pourriez changer la variable state pour revenir à la scène que vous voulez. Voilà, voilà. En tout cas, là, ça devrait marcher si j'appuie sur C. Ouais, ça fonctionne parfaitement. Ok, alors maintenant, il y a des perspectives d'amélioration possibles. Je ne vais pas forcément les détailler dans cette vidéo, c'est pour les plus curieux et curieuses d'entre vous. Mais je vais vous donner des idées. Vous pourriez, par exemple, donner des points de vie à votre vaisseau et un temps d'invincibilité où le vaisseau clignote après s'être fait toucher. Donc voilà, comment faire pour qu'il clignote ? Vous pourriez afficher des sprites de cœur sur l'interface. Et puis, une autre chose que vous pourriez faire, c'est améliorer la fonction de collision pour que chaque élément possède forcément un X et un Y, mais aussi une largeur et une hauteur. Comme ça, vous pourriez faire des ennemis plus gros, ou par exemple des boss. Et donc, ce serait aussi utile si vos sprites de projectiles sont petits, par exemple. C'est vrai que les miens ne prennent pas 8 pixels de large. Et pourtant, même si je frôle les ennemis, en fait, eh ben, je les touche. Donc vous pourriez améliorer cette fonction de collision. Et une dernière chose, très importante, vous pourriez faire en sorte que les ennemis tirent leurs propres projectiles. Vous pourriez commencer tout doucement, par exemple faire que leur projectile tout simplement descende en Y. Mais ensuite, vous pourriez pimper le truc pour que les projectiles puissent suivre un angle précis. Et vous pourriez dire, tiens, ce type d'ennemi a un angle qui suit tout le temps le personnage. Comment faire ? Eh bien là, vous aurez besoin de cosinus et de sinus, j'espère que vous êtes un petit peu chaud, mais si jamais vous galérez dans une de ces choses, eh bien, tout ce que je viens d'écrire, c'est quelque chose que j'ai fait dans la cartouche d'exemple, qui sera disponible du coup dans la description de la vidéo, et donc essayez un petit peu par vous-même, hein, parce que c'est important de galérer un petit peu lorsque vous allez faire des jeux par vous-même. Vous aurez tout le temps des messages d'erreur, des petits oublis, il ne faut pas en avoir peur en fait, c'est normal de devoir résoudre des problèmes tout le temps. Et donc, une fois que vous galérez, cela dit, et que vous êtes un petit peu habitué, regardez la cartouche et voyez la différence avec ce que vous avez fait vous. Voilà, et puis si vous avez des questions, bien sûr, posez-les sur Discord. Maintenant, je pense que ce que je peux vous montrer, c'est comment publier votre jeu. Ce qu'on peut faire, c'est prendre une petite capture d'écran avec F7. Mettons que je fasse ça, voilà. Ça va être l'image de la cartouche. Une image qui va s'afficher sur le jeu web. Ensuite, au tout début du jeu... Mince, qu'est-ce que ça fait là? Voilà. On va mettre le titre Shooter Spatial et l'auteur Aurélien. Et ensuite, bon, sauvegarder. Et il y a différentes choses que vous pouvez faire. Vous pouvez faire Export Shooter .bin. Et là, ça va vous créer un dossier avec plein de trucs. La version Windows, la version Linux, la version Mac et la version Raspberry Pi. C'est des petites cartes pour avoir des tout mini ordinateurs. Et ça vous donne aussi directement les versions zip que vous pouvez envoyer aux gens sur Internet. Mais un truc qui me paraît beaucoup plus intéressant, comme les jeux Picovit, c'est des petits jeux d'arcade qui se jouent très rapidement, je me dis qu'ils ont parfaitement leur place sur un navigateur. Et pour ça, vous pouvez faire export shooter.html. Je vous conseille par contre de faire export-f. C'est un petit argument supplémentaire qui va du coup générer le jeu dans un sous-dossier. Si vous faites ceci, et ensuite vous allez dans le dossier, voilà. Vous pouvez faire folder pour voir où est le dossier. Ça va vous l'ouvrir dans votre Explorer. Et là, vous avez le jeu. Donc vous pouvez faire clic droit, envoyer faire et faire dossier compressé, et ça vous le met dans un zip. Si vous utilisez un autre système d'exploitation, regardez comment faire un zip sur votre système. Ok, et maintenant on va envoyer ce zip sur un site web pour avoir votre jeu sur une vraie page web sur internet. C'est-à-dire que si vous avez votre propre serveur avec une adresse web que vous avez acheté et tout ça, vous savez déjà comment envoyer un fichier, je pense. Mais si vous n'avez pas d'argent,
que vous débutez complètement, mais que vous aimeriez avoir votre jeu sur une page propre, sans pub, que vous pouvez personnaliser un peu, eh bien, votre client idéal, c'est itch.io. C'est ce site-là. Vous connaissez peut-être déjà, hein, je vous en avais déjà parlé dans la première vidéo. Vous pouvez trouver toutes sortes de petits jeux, ou même de gros jeux, vous pouvez vendre vos jeux dessus. Voilà, c'est un peu un Steam en très libre. C'est très détendu, et vous pouvez publier ce que vous voulez dessus. Une fois que vous avez créé un compte, vous allez dans Upload New Project. Et là, c'est très simple, on va mettre un titre. On va mettre un titre genre Shooter Spatial. Et ici, l'URL, Shooter Spatial, c'est très bien. La petite description, mon premier jeu. Ouais, c'est un jeu. C'est un projet qui n'est pas téléchargeable, mais qui est HTML, donc qui se joue dans le navigateur. Release, ça c'est du détail. Pricing, moi je ne veux pas prendre les donations pour le moment. Et upload, eh ben, là c'est très simple. Si jamais vous ne savez pas où est le dossier des cartouches de Pico8, ben, vous pouvez très bien, vous allez faire folder dans Pico8 et vous prenez le chemin dans la fenêtre qui s'ouvre. En tout cas, moi je suis dedans et ma démo, elle est la shooter HTML et j'avais fait le zip déjà. Donc là, je fais ouvrir. Et maintenant, je lui dis, ce truc sera joué dans le navigateur. Voilà. Et ici, maintenant, j'ai les options du jeu navigateur. Alors, on va aller regarder ce que dit le manuel à ce sujet-là. Je vous conseille de regarder parce que vous aurez beaucoup d'infos dessus. Si vous faites manuel et vous faites HTML, voilà. On va plutôt chercher, c'était où ? Itch.io, voilà, uploading to itch.io. Il nous dit 750 par 680, la taille recommandée. 750 par 680. Ensuite, set mobile friendly et automatically start. Très bien, mobile, automatically start. Là, je pense qu'il faut mettre portrait. Et puis voilà, je pense que c'est bon. Le genre de jeu, oh, nous c'est un petit shooter. Voilà. Et ainsi de suite, vous mettez ce que vous voulez. Et là vous pouvez choisir si vous mettez des commentaires ou pas sur votre page de jeu. Et ensuite là c'est intéressant, c'est la visibilité de votre jeu. Pour le rendre public, vous voyez que vous devez d'abord le sauvegarder et customiser la page. Mais pour l'instant, il va être en draft, c'est-à-dire en brouillon. Donc vous pouvez sauvegarder. Là, il va charger un petit peu le jeu, mais déjà, ce que vous pouvez faire, c'est éditer le thème de votre page. Je crois même que sur le manuel, il nous recommande des couleurs. Par exemple, il nous recommande de mettre ça en background. Donc, on peut le mettre. Est-ce que ça rend bien ? Ah oui, d'accord, ça va un petit peu mieux avec... je vais mettre ça d'ailleurs même en BG principal. Voilà, là on est sombre, là on y voit bien. Et donc en texte, il disait quelque chose de clair, il me semble. Ok, c'est ça qu'il avait dit ? Ouais, c'est. D'accord. Pourquoi pas. Donc maintenant, on fait save. C'est bon? Ok. Et là, vous pouvez jouer à votre jeu. N'est-ce pas merveilleux? C'était si simple, ça nous a pris 2 minutes. Alors bien sûr, sur la page d'où on vient, Edit Game, vous pouviez rajouter des images, des screenshots, des trucs comme ça. Mais là, pour l'instant, vous ne pouvez pas encore partager votre jeu, parce que vous voyez que c'est encore en brouillon. Alors, vous avez une secret URL de brouillon. Hein, si vous pouvez partager ça, par contre. Mais si vous voulez que votre jeu soit tout simplement public, vous retournez dans Edit Game, et maintenant, vous avez le droit de le mettre en public. Alors, perso, j'ai pas envie que tous mes followers voient la page, donc je vais la laisser en draft. Mais sinon, quand vous mettez en public, vous avez aussi des petites options supplémentaires. Voilà, je vais laisser en draft. Et vous avez d'autres options aussi, mais je suis sûr que vous allez vous y retrouver. En tout cas, voilà. Vous savez comment créer un shooter sur Pico8, comment le publier sur Internet, et n'oubliez pas que si vous avez envie d'essayer des petites choses supplémentaires, j'ai des nouvelles features dans le jeu d'exemple qui sera dans la description, que vous pouvez télécharger pour examiner le code par vous-même. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Alors je vois que j'ai fait une petite faute ici, mais rien de grave. Ça a l'air de vous avoir plu hein, jusqu'à maintenant d'après les commentaires, donc je vous remercie beaucoup pour ça. Et merci aussi aux membres soutien qui se sont abonnés à la chaîne récemment. Merci à Oldarix, merci à Dronix et merci à Xavier.
Vous recevrez la prochaine série en avance, comme d'habitude. La prochaine série, du coup, ce sera un jeu d'aventure dans lequel on va voir comment faire, comment explorer une map, comment créer un système de dialogue et plein d'autres trucs comme ça. Et ça va sortir tous les jeudis, comme cette série-là. Je vous dis donc à très bientôt. Mettez la cloche pour ne pas rater la suite. Et puis, bonne journée, bien sûr. À la prochaine, ciao.